Quelquefois, des délégations internationales. Trois fois, je suis allée à l'Assemblée annuelle du Bureau international du travail. Je suis allée en 75, 76, 79. Une fois sur la formation professionnelle, une fois sur le personnel infirmier, l'autre, c'était, ça avait rapport avec la fonction publique. Et le Canada qui délègue, mais il y a toujours un délégué du Québec dans la délégation travailleur, sous l'autorité du représentant principal qui est du CTC. Et dans mon temps, le président du CTC, c'était pas trop progressiste. Mais il fallait se référer à lui quand même. Alors j'ai été trois fois, dont une sur les conditions du personnel infirmier. Et il y avait pas de reconnaissance du droit de grève là-dedans. C'est toujours dans le domaine des relations de travail, le BIT. Et j'étais dissidente devant l'Assemblée générale. Et là, le délégué canadien, il m'a laissé faire, il avait prévenu, puis tout ça, il a essayé de me dissuader. Puis il m'en voulait tellement. Mais ça, c'était très utile et intéressant parce que on avait des contacts directs avec les syndicalistes des autres pays. C'était des belles expériences.